Previously in Until Dawn. 50 boules pour dire qu'il y en a mais qu'on déteste, je vais deviner. Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S. O. E. Sœur. Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors? Cours! À la vache! Vache! Viens par ici. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Faux raccord. Ok. Chapitre 4, loyauté. 7h jusqu'à l'aube. On reprend juste ici. Tu vas avoir froid. Raccourci dangereux, suive le chemin. Je vais prendre le raccourci dangereux. Parce que ça va plus vite, c'est un raccourci, mais j'ai pas intérêt à me planter sur les QTE. Ah putain. J'ai peur de me foirer à chaque fois. La voilà. Oh, c'est pas de chance, on n'a pas vu qui était derrière elle. Sauter. Ah. Oh putain! Ne pas regarder le chat pendant une séquence de QTE. On va dire sauter. Oh putain, c'est serré. Glissade risquée, allons-y, prenons tous les risques. Sinon je pourrais jamais pécho ce soir. Bon, c'est mal barré. Allez, je peux le faire, Mikey. T'as plus ta lampe, ah c'est bien. Ah, d'un coup, il marche moins vite. Jessica, j'arrive. Dès que je saurai où t'es et où je dois passer. Mais je dois aller où? J'arrive, Jess, hein. Mais je fais le tour du proprio avant, parce que cet endroit peut-être intéressant à acheter. Mais putain, eh, sérieusement? Elevator. Ah, ok. Jessica!
Un totem. Merci Rose. Il y a un animal. Totem du conseil. Ouais, la caméra, c'est complètement fait exprès. C'est parce que dans certaines zones, tu ne peux pas voir où tu vas et c'est beaucoup plus stressant. Jessica! Ah merde! Prudent, rapide! Allons-y pour le rapide! On va remettre mes talents de QTE à l'épreuve. Sauter. Allez, viens par là, viens voir papa. Et vivante, je t'avais dit de prendre ton temps. Bah, je vais pas fail volontairement. Je vous laisse faire vos choix. Mais sinon, j'essaye de raisonner logiquement dans le jeu. C'est ma meuf. Et dans le jeu, j'essaye de la sauver. J'essaye d'avoir un raisonnement logique. Sinon, je vous laisse choisir tout le reste. On s'en fait y arriver. Génial, une lampe. Avec ça, je vais pouvoir l'éclairer à mort. Tu dois bien te les plaire, mec. Ok, on reprend là. Oh non. Ashley. Ça commence à pas du tout partir en couille, hein. On est d'accord. Tout se passe bien. Ash. Ash. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Non. C'est du Made in China. Ok. Ok. Oh, puis genre les tables recouvertes de nappes comme ça et tout. C'est pas flippant du tout comme ambiance.
Bon, je viens de faire le tour, on est d'accord, ça sert à rien. Faut que je passe là. C'est quoi ça? Oh merde, du ketchup! Mon mur, il va falloir que je nettoie tout! La porte extérieure est ouverte. Franchement, vous faites quoi dans ce genre de situation? Vous partez à sa recherche, vous vous enfermez dans une pièce en comptant les secondes. Mais vous flippez du moindre bruit, vous faites quoi, sans déconner? C'était triste que Jesse. Bah après, elle était vivante, mais comment est-ce que ça va continuer là? On sait pas. Dans quoi tu t'enfonces, mec? Tu sais pas où tu vas, là, hein. Je vais aller prendre un bain avec Sam. C'est pas une mauvaise technique. Vas-y, entre là-dedans, ça a l'air parfaitement safe. Demandez ce que toi tu... Je cherche une arme, puis je cherche Ashley. Ouais, s'il n'y a pas d'arme... C'est pas glauque, c'est ça qui est bien. Ashley. Oups. Chris. Bonsoir, Chris. On va jouer. Bonjour. À un jeu. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous avons mené une petite expérience. Comme un test. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets. Joshua et Ashley. Mais nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra. Et lequel mourra? Non, Chris! Non, c'est pas possible! S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Ok, tout va bien se passer. Okay. Sentez votre choix arriver. Merde. Hey mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse à 5 minutes. Chris, je veux pas mourir. Juste une seconde, j'y arrive pas. Alors, allez-y. Je vous laisse choisir. Est-ce que je sauve Josh? Je suis désolé, Ashley. Ou est-ce que je sauve Ashley? Je vais te sauver, Ashley. Vous avez choisi de sacrifier votre chéri. On sauve Josh. Oh, vache. Je suis désolé. Pitié. Non. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est dingue. J'arrive pas à y croire. Chris, pitié, dis-moi que tout ça est pas vrai. Non, Chris!
tu as choisi de sauter les portes. Oh non, c'est une erreur. C'est pas ce que je voulais. Tiens, je suis désolé. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Eh ben non. Désolé. C'est du délire. Non. Non. Arrêtez. Faites pas ça. Il va pas très bien, non? J'arrive, Ash, je vais te faire descendre. Chut, arrête. Allez, allez, tu vas descendre, non. Allez, il faut te sortir d'ici. Non. On doit partir, ok? Non, je voulais te tuer, mais viens là, ma chérie, viens. Tout se passe très très bien hein, dans cette soirée. Hein. Chris, Ashley, le sang, mais c'est le sang de qui? Est-ce que ça va? Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Josh, quoi, vieux? Il est mort. Attends, c'est quoi devant nous? Putain. Mais de quoi tu parles? Il y a un cinglé. Un cinglé? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. Un cinglé. Qu'est-ce? Il avait dit. C'était lui, ouais, je savais pas quoi c'est faire. Pas on a traversé ce gigle et essayé de partout. Quoi? Mais c'est pas vrai, Chris. Je l'ai tué. Oh non. Je l'ai tué. J'étais ma pauvre. Non, 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 c'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Elle est découpée en deux. On va découvrir ce qui s'est passé. J'en sais rien, j'en sais rien. Matt, on doit y aller maintenant. M, on devrait aller chercher les autres. Mike et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. En train de prendre un bain. Bien, d'accord. On va rassembler tout le monde, mais s'il y a un cinglé qui se balade, il faudra quand même aller chercher de l'aide. Non? Tu veux pas qu'on reste là? Mais pour... Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va! Allez. Ah, quelle bonne soirée. T'as toujours l'air aussi flippant, toi. Hein. La tension a monté d'un cran, n'est-ce pas? On peut dire ça, ouais. La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espérez? Regardez où il bosse, là, maintenant. Ça se passe bien ou non? Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça se passe bien. Bah, écoutez, voilà. Ça se passe bien. Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive? Que voulez-vous? Ou alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez, vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien. Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas particulièrement loyal dans votre façon de jouer. Oui, ou vous me faites peur? Poussons-le à bout. Oui. Et croyez-vous que moi, je suis bien réel? Mind blow. Vous êtes réel ou vous n'existez pas? Bah, vous n'existez pas. Ah, c'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence? J'en doute.